prédication de ce matin, dimanche 3 avril 2022, tirée dans le livre de Genèse, chapitre 22, verset 1 jusqu'au verset 13. Mahubiri yetu ya siku ya leo asubuhi tumeipata Mwanzo sura yake ya 22, 1 à 13. Je vais lire le texte. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici, et il dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays des Morijas, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin. C'est là son âme, et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il lui fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à la cour adorée et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit les bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Et il répondit, « Mais voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici les faits et les bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y leva un autel et rangea le bois. Et il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Oui, Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela de cieux et dit, Abraham, Abraham! Et il répondit, mais voici, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Amen. Éternel Dieu des armées, je viens te rendre grâce pour ton amour infini envers moi, Seigneur. Merci de nous avoir gardés toute la semaine jusqu'aujourd'hui. Sois béni, sois adoré. Et merci de m'avoir donné encore la grâce de me présenter les places devant tes enfants, tes serviteurs. Car nombreux sont morts qui réclament pour rentrer sur la terre, venir prêcher la bonne nouvelle. C'est trop tard pour eux. Et moi, tu m'as fait encore grâce, je sois devant tes serviteurs pour prêcher la bonne nouvelle. Pardonne mes offenses, je ne suis pas juste devant ta face. Et pardonne tous ceux qui vont me suivre. Mon Dieu, mon roi, que le sang de ton fils puisse purifier les cœurs de chacun. Purifie-moi et purifie cette parole, Seigneur. L'Esprit Saint soit sur moi, Yahweh. Et l'Esprit Saint sionne dans ce temple, que tes anges puissent faire silence et faire taire les esprits qui dérangent nos enfants. Merci encore une fois de plus. Cette parole nous aide et nous amène dans le royaume des cieux. Nous avons ainsi prié. Amen. Frère dans le Seigneur, il y avait un ancien à l'Ikasi. Kurikuja,
kukuja ancien moja pale Likasi. L'ancien son pasteur était mon ami. Mzee mchungaji wake, ule mzee mchungaji wake alikuwa rafiki yake alikuwa. Maintenant l'ancien avait un problème de mariage. Ule mzee alikuwa na shida ya ndoa. Il prie beaucoup. Alianza kuomba kabisa. Seigneur, je veux une femme, une bonne femme. Mungu napenda mke mzuri, mke mwema. Vraiment là, j'ai déjà avancé. Lakini miaka ilikuwa isha kuzonga. Et l'église demandait d'avoir une femme. Kanisa ilimuomba apate mke. Atake ancien. Là, bien vu, alikuwa mchungaji, alikuwa mzee. Et quand l'ancien priait, wakati mzee alianza kuomba, Dieu lui a montré une folle. Mungu alimuonesha wazimu mwenda wazimu. La première leçon, le premier songe, si quoi quand ça doit toi aller. Ah, il dit non, Seigneur. Mais c'est ma mungu apana. Mais pourquoi cette folle? Quand il est où mon tabazimu? Est-ce qu'il peut prendre soin de moi? Est-ce qu'elle osa kuchukua mambo yangu yote? Deuxième songe encore. Doto ya pili tena. Dieu le révèle encore la même folle. Mungu anamuonesha tena paka yule mon tabazimu. C'est celle de ta femme. Jo mwenye anakuja mke wako. Ah! Il a douté encore. On a douté tena. La troisième fois encore. Si vous êtes à tout tena, notre à tout. Dieu lui dit, je ne trouve pas une autre femme pour te donner. Mungu akamweleza sipate mke mwingine wa kukupatia. La femme c'est cette folle. Mke wako ni yule mwenda wazimu. L'ancien est parti dire à son pasteur. Le mzee akaenda kumweleza mchungaji wake. Ah, mon pasteur, j'ai tant prié. Mchungaji meomba sana. J'ai jeûné. Mina funga chakula. Pour chercher un bon choix. Tu vas kutafuta. Mais Dieu me révèle toujours cette folle-là. Lakini Mungu ananionyesha paka yule mwenda wazimu. Le pasteur lui, Dieu t'a révélé cette folle. Mchungaji anamwelezea kwamba ndio Mungu anaponesha ni mchungaji. Tu ni mke wako, unapasha kumuoa. Pasteur, comment je peux épouser une folle? Mchungaji, kwa nini naweza kuoa huyo mungu? No, Dieu comme Dieu te révèle, il sait pourquoi te révèle. Vile Mungu anakuelezea ni kweli kweli peke yake anajua. Ils sont partis kikula. Ameenda pale kikula. Une folle très méchante. Ule mwenda wazimu alikuwa mwenye makali sana. Lapide, les pierres. Alikuwa anapigana mawe. Et on est dégoûté. Na wanaanza kumfunga mkamba. Ah! Quelle manière insister au songe. Mungu aliendelea kwa kumweleza kundoto. Il continue commencer à donner des messages à son pasteur. Mungu anaanza tena kumpatia mchungaji. Et l'ancien doit toujours épouser cette folle. Mzee wa kanisa anapasha kuoa paka ule mwenda wazimu. Mais ils sont décidés. Ndio alichikia. Cherchons la famille cette folle. Wanaenda kutafuta nyumba ya wale wa yule mwenye bahari. Sasa bike apanda. Wazazi yake wanaanza kukala pale Mpanda. Alo apanda. Naenda pale Mpanda. Isu parti apanda. Banaenda. Izo tuve la famille cette fois. Banakuta nyumba ya yule mwenye bahari. Okay. Wakakongola. Leo ni zaki. Aliwapokelea. La famille a dit que parlez, nous vous écoutons. Na nyumba ya wale imesema, museme sisi tunamsikia. L'ancien commencé à dire. Mzee akaanza kusema, je suis venu pour votre fille qui est Kikula. Nakuja njia mtoto wenu anakuja pale Kikula. Moi je vais la prendre en mariage. Mimi natafuta kumbeba ndo kumbe kumuoa. Mais le papa de cette folle me s'est dit, ah, c'est pas ce qui n'est pas normal. Mzazi wa ule mwenda wazimu akasema ndugu wewe unakuwa mwenda. Comment tu peux épouser une folle? Kwa nini unaweza kuoa mwenda wazimu? Mais papa, moi je vais la cette folle. Amesema mimi napenda paka yule mwenda wazimu. Je vais donner la dot. Naweza kuleta mali. Comme l'ancien a insisté, le papa dit que mon approche. Baba anasema ndio. Ils se sont préparés. Wanaji préparé wanajanda. Les jours de la prédote. Siku ya kuleta ile wanaita. On est allé prendre cette folle. Wanaenda kuchukua mwenye ule mwenda wazimu. On l'a amené là-bas, allez à maison. Anamuleta kwenye nyumba ya zao. L'ancien a donné. Yule mzee akaleta kuta ya va kuleta ndo kuleta mari. Mais il se dérange toujours. Dieu, comment tu me montres une folle? Elle est toujours folle. Aranza kwa kujiswali kwa nini Mungu amempatia. Le pasteur le conseille toi fait tu termines jusqu'à la fin. Mchungaji anaanza kumwambia kwamba wewe endelea kabisa. Cherche la dot. Tafuta mahali. Qui va aller et donner. Utaenda kupeleka. Le reste Dieu va s'acharger. Ile imebakia twatie Mungu. L'ancien est allé chercher la dot. Zakaenda kutafuta yenye ile barikoomba. Akapata yote. On a fait comme on a fait à la prédote. Akafanya mali yote mkaje wanapofanya. On a pris la folle. Banabeba ule mwenda bazimu. On a mené ligotier parce que c'est pas chez pas. Banampeleka kwa bazazi yake mwenye kufunga. Eh, l'ancien a donné la prédote. Na ule mzee akapeleka paka vile barikoomba. L'ancien a dit Seigneur, moi j'ai déjà
épousé ma femme. Moi, il est maintenant allé à mariage civil et à mariage religieux. La foule est rentrée quoi là? L'ancien faisait des prières. Zia kaanza kwa kuomba. La commune, c'était un certain samedi. Pale commune ilikuwa ni siku ya sabato. C'était un vendredi à 23h. Ilikuwa ni siku ya vendredi ou saa ya 23h. Le parent de la foule, wazazi yake au ile mwenda wazee. Ils ont écouté quelqu'un qui toquait à la porte. Wamesikia tu mtu anakuwa na huko. Odi huko huko. Mais qui tu que c'était? Nami nani amekukua wakati? Sa maman est allée ouvrir la porte. Mzazi yake akaenda anafungua mlango. La foule en bonne santé. Yule mwenda wazimu amekuwa amepata sasa. Il est venu normal. Amekuwa mtu mzima. Mama, pourquoi vous m'avez jeté? Mama, kwa nini umenitupa? Ah, mais j'ai arrêté de comment je suis, j'ai cette position. Na kwa nasikitiko kwa maana kwa nini nakuwa mwifa songo. Mais la maman dit qu'il n'y a rien, c'est toi. Mzazi yake amejiswali. Est-ce que wewe? Oui, c'est moi. Ndio ni mimi. La maman qui est passée. Mama yake akakuwa anashangaa. Elle a pris son mari. Ameita. Viens voir ta fille arrière. Kuja ona mtoto wako huko. La fille est devenue comment normal. Mtoto wako amepata kabisa. La fille est rentrée à la maison. Mtoto amerudi nyumbani. Ana donné une place. Akampatia fazi. Le matin. Asubuhi kabisa. L'ancien vient. Ule mzee akakuja. Asubuhi. Na akakuja na wazazi wake. Et le papa l'a accueilli avec joie. Na ule mzazi akampokea ule. Ou les anciens fura kabisa. Ta femme est venue à 23h hier. Kabisa. Elle est maintenant normale. Apa ame kwa sasa vraiment, j'accepte que Dieu agit. Na itikia kwamba Mungu anakutenda. Tu es un Dieu. Unakuwa na Mungu. Et quand la foule a vu ce monsieur l'ancien, kama yule na wakati ule mwenda bazima aliona. Elle a reconnu que c'est le monsieur qui venait de payer la dot. Ana la faute est d'aller embrasser ces messieurs silencieux. Yule mwenye mazimu alienda kupokea yule mzee. Totalement guéri. Amepona kabisa. Et le samedi, na siku ya sabato, ils ont fait le mariage. Wakafunga ndoa. Aujourd'hui là, mpaka leo, une bonne femme. Anakuwa ni mke mzuri. Donc cette femme soutient son mari vraiment à l'œuvre de Dieu. Yule mke anashika mke wake mkazi ya Mungu kabisa. Il fait plus que son mari. Anashika mkazi ya Mungu kupita mpaka mume wake. Et il fait des révélations cette femme là. Na anaposema maneno ya kweli. Il est vraiment terrible. Na yule mke anakuwa ni mke kabisa. Soumise à son mari. Anakuwa anategemea mke wake, anakuwa. Voilà, l'histoire ici est simple au passage d'aujourd'hui. Na ile histoire inakuwa nasemezea maneno ya leo. Desi na sia alifize su de cette folle. Kama yule mzee alikataa kufuata yule mwanamke. Peut-être qu'il avait trouvé une femme qui va le faire souffrir. Atujue kama alipata mke yule atakamtesa. Je donne un deuxième exemple. Na leta mfano wa pili. Je travaille chez les Indiens les années passées. Nilikuwa natumika pale kwa Indien. Avant que ma femme puisse venir. Avant mke wangu apate kufika. Maintenant l'Indien que je travaille avec. Sasa Mungu ule na kuhomba. Son salaire n'était pas vraiment suffisant, constant. Fais-le, il va lui parler. Et je suis décidé d'aller travailler à une autre optique. Il est décidé de prendre un coup de pied face à une guinée pour les connaître pour la femme à classe. Moi, ça, les savoir. Il a coutume. Or, la sienne, c'était un brigand. Il a délégué les gens pour me chercher mes commandes du tort. Parce qu'il a dit que l'optique ouvrait d'ouvrir là-bas, il va mener mes secrets là-bas. Et c'est au centre-ville. J'étais sur la moto. Il est quoi pour les petits pigi? Un véhicule est venu. Na gari moja ikakuwa ikenikuwa inikani. Chevy fort tiré. Na hii fasi na kwa inakatika. J'ai beaucoup regretté ce n'est pourquoi ça. Nilihuzunika kabisa kwa nini Mungu? Mama shina hospital, bali nipeleka pale hospitali. Mama tuite, wali ni tunza. Mama fika uje sio hata la maison. Na nilirudi nyumbani. J'ai fait presque 3 mois à la maison. Nilifanya miaka 13 kwenye nyumba. Moi j'ai regretté. Nilianza ku Bienvenue le Seigneur. Tout mal chez un enfant de Dieu. Tout mal chez un enfant de Dieu. Mwanaume wote kwa Mungu. Mubaya yote kwa Mungu. N'est pas à
regretter. Le temps où j'étais à la maison avec ma chambre fracturée, les brigands me cherchaient pour me rendre du tort. Donc Dieu me cache. Moi je regrettais pourquoi Dieu m'a fait ça. Mais il n'a pas voulu Badimba pour ce qu'on commettit. Et après cet événement, quand je suis rejeté à Kabila, c'est mon ami technicien qu'on travaille avec là-bas, à la première optique. C'est lui qui a commencé à me dire. Donc celui-ci ici, voilà ce qu'il a fait. Je lui dis merci Seigneur. C'est ma santé. Et le bien est rentré en elle. Et je suis resté jusqu'aujourd'hui. Dieu m'a préservé. Un dernier exemple. Nous avons un frère qui est emprisonné. Les gens regrettent. Tout enfant de Dieu, son épreuve. Je dis, l'épreuve d'un enfant de Dieu n'est pas à regretter. Peut-être qu'on allait les commettre du tort. On est prêt à les tuer. Il vient de voir un groupe de gens qui se planifient pour le monde du tort. Mais Dieu lui a pris pour les cacher en prison. Mais toi tu regrettes. Le plan de Dieu n'est pas le plan de l'homme. Dans ce passage ici, Dieu demande à Abraham d'offrir son fils Isaac sacrifice. Et pourtant, Abraham a vu un fils avec Agar, Ismaël. Mais Dieu s'est décidé de dire à Abraham de se séparer avec Agar et son fils Ismaël. Pour qu'il lui donne sa postérité. Parce que Dieu a dit que je te donnerai ta postérité. Isaac est né. Et Dieu m'a confirmé que c'est celui de ta postérité. Mais tout d'un coup, le même Dieu là, qui demande à Abraham d'aller sacrifier cette même postérité. Mais Abraham s'est posé des questions. Comment Dieu peut faire ça? Comme il avait la foi. Comme il était obéissant, Abraham savait que même si j'offre ses fils à Dieu, Dieu va les ressusciter. Parce que celui qui m'a promis que c'est ma postérité. Et Abraham n'a pas dit à ses serviteurs. Abraham a supervisé les wake. Il n'a pas dit à sa femme. A supervisé mon kiwake. Tu peux avoir de ce bref. Ta foi n'est pas la foi de ton mari. Ta foi n'est pas la foi de ton mari. Imani yako haina imani yako. Ta foi n'est pas la foi de ta femme. Imani yako haina imani ya mtu. Et il faut avoir des réserves de rencontrer toute chose à ta femme ou à ton mari. Na inapasha kujitenganisha kuambia mke wako kwa vitu vyote. Même à ton pasteur. Hata kwa mchungaji wako. Parce que lui va prendre ce moment un autre sens. Maana yeye atabeba mfano mwingine. Si Abraham bizaa Sara, nuno pia ni bani Isaac sacrifice. Kama ingekuwa Abraham alimwelezea Sarai akimwambia Mungu ameomba Isaka kwa mtoto. Sara alipeshe Abraham ndani sacrifice. Sarai alitafuta kuambeshe Abraham kwa kwenda kutoa Isaka. Me Abraham a pris Isaac. Lakini Abraham alichukua Isaka. Ese serviteur. Na wale watumishi wa Mungu. Isu parti ya Moricha. Walienda naye kule montani ya Moricha. Tous ne comprenaient pas. What hawakuanza kuelewa. Où allons-nous? Il partait. Il a gardé ses séries. Arrivé à un lieu. Après trois jours. Abraham a vu les lieux de loin. Abraham a face loin. Il dit à ses serviteurs. Restez ici. Moi je vais adorer avec mon fils.
Ils sont partis. Walienda. Il a pris les bois. Wakabe Bankoni. Mais quand ils partaient pour aller offrir les sacrifices. Wakati walanza kuenda kutoa. Isaac a posé la question à son père. Isaac a mon soin et baba yake. Mais mon père. Baba. Où est l'agneau? Wapi kuna kwa kondo. Dans le locus. Kondo ya kutoa. Quelle était la réponse d'Abraham? Jibu ya mzazi yake ilikuwa. Le Seigneur pourvoira. Mungu atatayarisha. Amen, amen. Le Seigneur pourvoira. Mungu atatayarisha. Allons seulement. Sisi tuende tu. Ils sont partis. Walienda. Arrivé là-bas. Abraham a ligoté son fils. Abraham a kafunga mtoto wake. Il a placé son fils à l'autel. Akamtia mbele ya mazahabu. Et il a pris le couteau pour égorger son fils. Il y a chinje mtoto wake. L'ange l'Éternel cria Abraham, Abraham. N'avance pas ta main à ton fils. Usichofeshe mkono wako kwa mtoto wako. Car je sais maintenant que tu me crains. Sasa najua kwamba umeniogopa. Bien le Seigneur. Mpendwa katika Bwana. Moi personnellement, yeye peke yake. Je ne mérite pas devant Dieu. Na tubu mbele ya Mungu. Il y a beaucoup de choses que Dieu me disait que j'ai négligé. Kuna kwa vitu vya mingi ile Mungu anaanza kumwelezea kwamba anakuwa na dharau. Yeye ni juu Dieu me révèle. Kwa siku moja Mungu anamuonesha. Il dit que Dieu merci. Anasema ndugu Dieu merci. Dans deux jours ici ton frère va mourir. Katika masiku mbili ndugu wako atakufa. À l'époque Dieu parlait avec les prophètes comme ça. Kwa zamani Mungu anaanza kuelezea wa prophète kwa hivi. Donc tu marches comme ça, tu écoutes une voix de l'Éternel. Na unatembea hivi unasikia neno la Mungu. Dieu te parle. Mungu anakuambia. Idris. Ndugu Idris. N'allez pas là-bas. Usiende kule. Il est engagé. Unakuwa shida. Va de l'autre côté. Wende hivi. Dieu parle. Mungu anaanza kusema. Mais aujourd'hui là, sasa leo. Dieu parle avec des songes. Mungu anaposemeza kupitia mandoro. Nous négligeons, ah, c'est seulement les songes. Les songes sont les choses réelles. Ndoto inakuwa mambo ya kweli. Dieu me fait voir que non, ton frère va mourir dans deux jours. Ndugu anamuonesha kwamba ndugu zako atakufa masiku mbili. Je ne sais pas, papa. Nilielezea mzazi. Mais maître, Dieu m'a dit que le maître va mourir dans deux jours. C'est quoi, fils? Mungu ananiambia kwamba ndugu zangu. Papa, c'est ça la négligence. Le deuxième jour encore, les mêmes songes. Ton frère va mourir demain. Frère de le Seigneur, j'ai encore négligé. Les jours sur mon frère est mort. Amen, amen. J'ai négligé. Je croyais que c'était seulement un songe. Ok, Dieu me parlait de prier. Dieu me parlait d'empêcher cette chose. Il y a beaucoup de gens qui trouvent des messages, mais qui négligent. Dieu nous parle à travers les songes. Peut-être que Dieu t'a parlé, non, mon frère, cette femme-là, ce n'est pas ta femme, cherche une autre femme. Toi, tu veux seulement Lydie. Comme Lydie Elle est claire. Elle est vraiment jolie. L'autre elle te montre qu'elle n'est pas jolie. Tu vois, tu veux seulement faire ta volonté à toi. Mais quand tu vas le prendre en mariage, tu vas souffrir. Nous négligeons la voix de l'Éternel. Nous connaissons les sorts de Saül. Oh, tunajua soria yule Saul. Tout ce que Saul nous faisait, c'était sa volonté à lui. Yote ni Saul anaanza kufanya ilikuwa tu kutaka kwa. C'est que Dieu lui disait, il négligeait. Yale yote Mungu anaanza kumwelezea, anaanza kudharau. Et quel est son sort? Na matokeo yake ni nini? Saul alipotea. Bien aimé, c'est très important d'écouter la voix de l'Éternel. Mapendo ni ya muhimu kabisa kusikia neno la Mungu. Abraham, après avoir écouté, se soumettre devant l'Éternel. Abraham, kisha kusikia neno la Mungu. Si nous lisons là en bas, ukisoma kushuka huko chini, le Seigneur lui a promis des bénédictions. Mungu akamulaka vitu mingi kabisa. Lui a promis des bénédictions. Akamulaka vitu mingi. Et si nous sommes là aujourd'hui, si Dieu nous bénit aujourd'hui, c'est grâce à notre Père de la foi Abraham. Nous qui sommes
chrétien. Si je suis encore à Christ. C'est pour toute personne qui meurt. Je commande à Moutou Yot à mes coups. Il va au sein d'Abraham. Parce qu'Abraham avait la foi. Amana Abraham a quoi la image. Je n'ai pas trouvé quelqu'un qui avait la foi comme Abraham dans la Bible. Pas de cabisse à Moutou Yot à quoi la image. Il avait tellement la foi. Il a quoi la image cabisse. Tout ce que Dieu lui disait. Il y a l'autre mot à la Zapolézé. Il y a Zapolézé. Nous sommes comme des bébés. Comme des petits enfants. Si sagesse tient un couteau, je ravis ça. Elle va pleurer. Elle va dire, ah, mais pourquoi papa fait ça? Parce que moi je cherche les pariens. C'est ça avec Dieu. Donc toutes les preuves qui t'arrivent, toi, enfant de Dieu, tu dois te réjouir. Tu dois rester calme. Dieu sait pourquoi il te voit ces épreuves. Derrière ces épreuves, Dieu te teste. Avant de te bénir. Avant de Dieu cherche à tester ses enfants. Je vais d'abord tester mon serviteur ici. Il est vraiment mon serviteur. Et quand il te teste, si tu réussis, tu deviens riche. Spirituellement et matériellement financièrement. Il te fait son ami. Je dans la Bible. Yobo katika Biblia. Voilà une autre serviteur qui avait la foi. Jean était inquiet. Job arrive à moi. Moi je parle les preuves aux enfants de Dieu, pas aux péchés. Si tu es un pécheur, c'est pas les preuves de Dieu, c'est toi qui as voulu ça. Pour un enfant de Dieu, Job a une preuve. Alipata shida. Terrible. Alipata shida kabisa. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Nini le fika? À la fin. Nini le fika kwenye mwisho? Sa femme lui a dit de citer Dieu. Mungu wake alimwambia toka Mungu. Il y a des gens qui sont à côté de vous. Unakuwa watu wanakuja mbele zao. Qui peut te décevoir? Wanaweza kukudharau, wanaweza kukutia maneno mabaya. Parce que faut commencer à servir Dieu. Wewe tangia ulianza kuamini Mungu. Qui est toujours cette position là? Unakuwa tu paka muhali mmoja mmoja. Mais sortons de l'évangile, allons faire autre chose. Utoke mbele mkupata évangile peut être faire maneno. Attention de suivre un tel conseil. Kebani kufuata maneno hayo. Tu dois te confier de toi-même. Toi-même. Ce que tu fais avec ton Dieu. Un enfant de Dieu ne se justifie pas. Quand tu insultes, quand tu humilies, quand tu fais toutes choses de l'histoire, un enfant de Dieu se réjouit. Mtoto wa Mungu anakuwa tu na furaha. Parce qu'on touche à une personne qui est utile. Lakini wanatenga kwa mtu na anakuwa na matunda. On touche à une personne qui a vraiment les promesses de Dieu. Bana kufanya maneno mabaya kwa mtoto ule anakuwa na malako ya Mungu. Pourquoi tu dois regretter? Kwa nini utaka? Que pourquoi seulement moi? Kwa nini? Pourquoi seulement moi? Kwa nini mimi? Non! Le Dieu a dit que dans toi il y a quelque chose de meilleur. Lakini diable ali ule mofu shetani aliona ndani mwako mnakuwa vitu vya furaha. Tu dois te réjouir. Na pasha ukukua na furaha. Il y a des gens qu'on s'occupe même pas d'eux. Unakuwa watu awaone hata. Il peut faire des péchés. Wanakuteta. Il peut faire toutes mauvaises choses. Maneno. Mais les gens ne s'occupent pas de cette personne. Lakini watu awaone. Donc cette personne n'est pas utile devant Dieu. Ule mtu asina na faida. Il y a pas la chose de dire à cette personne là. Il n'y a pas la chance de cette personne. Mais toi, on te critique souvent. On parle mal de vous souvent. Seulement toi, on doit. Tiens la promesse de Dieu. Amen. Amen. Tiens la promesse de Dieu. Tu dois te réjouir. Tu dois être content. Pour terminer, je vais demander aux chrétiens luthériens. Aomba kwa minifu wa Luteri. De tu commencer à négliger les songes. Wasianze tena kuzarau mandoto. De tu continuer à négliger les songes. Wasianze tena kuzarau mandoto. Parfois ma femme me trouve des songes. Il
Mes filles, comme tu n'as pas tant d'autres, elles aussi se repentir. Mais pas chacun dans la troupe. Je lui dis, va informer la personne sur les songes que tu dis à vivre. Elle néglige. Elle n'ira pas. Nous devons commencer à être souples et prudents par rapport aux songes. Dieu te montre que non, on va t'appeler frère et bien merci, t'aimer au centre-ville. C'est Dieu qui te parle. Toi qui gardes ça. Ce n'est pas ton message. Va t'informer à la concernée. Frère, aujourd'hui, ne sors pas au centre-ville. Donc, Dieu merci, vous suffisez mon état. Voilà ce que Dieu m'a parlé. C'est qui a eu mon état. On va te tamponner. Ne pars pas. Et si je fais la tête, dire je pars. Comment me faire quitter ton mouvement, vous ne m'aimez pas. Ce qui va m'arriver, c'est moi-même. Y'a les autres tantifiés. Va te tamponner. On en a chié d'Athéna. Chantons le full moon, le cantique numéro 11. Quand on voit ce full moon, on ne peut pas y aller au niveau. Quand c'est le numéro 11. C'est lui qui connaît les.